c'est pour moi évidemment un très très grand plaisir que de présider et de présenter mon ami Werner Paravicini, avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années lorsqu'il était directeur de l'Institut historique allemand de Paris. Werner Paravicini, l'homme des cours princières, notamment de la cour de Bourgogne, de la société aristocratique, l'homme aussi du voyage de Prusse, 2 volumes parus, quelques volumes encore à paraître. J'allais le dire, mais bon, je te laisse le soin de le signaler. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du voyage de Prusse, de mercenaires au voyage de Prusse. Sont-ils mercenaires, le sont-ils pas? Je te laisse la parole, pardonne-moi pour cette présentation express, mais le temps a été mangé par la technique. Merci pour ces mots amicaux. Quand même une courbette, une révérence envers notre maître d'océan, qui lui, tel un prince du Moyen-Âge, n'est-ce pas, se fait mécène des arts et des sciences, à l'exception que celui même, un érudit, ce qui est très rare, n'est-ce pas? Donc grand merci de poursuivre cette ligne. Disons-le tout de suite, la thèse de Terry Jones, prétendant que le chevalier idéal de Chaucer soit un mercenaire misérable, est non seulement fausse, elle suggère une alternative entre soldats honorables et mercenaires méprisables, voire routiers, qui se situent bien loin de la réalité du XIVe siècle. Cela peut se vérifier en étudiant les participants au voyage de Prusse. Ces voyages sont une activité guerrière saisonnière, de préférence l'hiver, quand la guerre s'arrête ailleurs, mais aussi en été, quand les fleuves dégelés permettent de transporter du matériel lourd de construction et de siège. Elles sont dirigées par l'ordre teutonique contre les Lituaniens. Comme les Lituaniens ne sont pas encore christianisés, ce combat contre les infidèles, les Sarrasins du Nord, possède une qualité religieuse reconnue et jouit d'une énorme renommée au sein du monde chevaleresque de l'Europe tout entière. À partir du milieu du XIVe siècle, l'ordre teutonique met de l'ordre dans cet afflux de main-d'œuvre militaire en établissant une hiérarchie entre ceux qui viennent à leurs propres frais et ceux qui sont payés par autrui. Seuls ceux qui payent pour eux-mêmes sont désormais admis à la table d'honneur, alors installés. Parmi eux, les héros d'armes venus des quatre coins de l'Europe choisissent les plus valeureux qui y siègent effectivement et désignent celui qui occupe la première place. Si l'on veut connaître les raisons pourquoi tant de monde vient en Prusse, sujet du chapitre que je me prépare lentement à rédiger, il faut donc nettement distinguer entre ces deux groupes. Heureusement, les contes de voyage conservés de quelques grands seigneurs mettent un peu de lumière dans ce monde lointain. Le receveur des contes de Hollande, Hainaut, de Jean de Châtillon-Blois, seigneur de Gouda et de Schoonhoven, de Henri de Lancastre, comte de Derby, futur Henri IV, nous en ont laissé. S'ajoutent les louanges des preux chevaliers, écrits ou en moins recopiés par le héros Gelre, le Sprecher Suchenwirt et quelques autres qui nous présentent des biographies très typées, mais néanmoins utilisables. Enfin, il y a des rôles occasionnels qui font l'attrait particulier de l'armorial Bellanville. Avant de partir, chacun de ces grands seigneurs prend à son service un groupe plus ou moins nombreux de chevaliers, d'écuyers, hommes d'armes, archers, quelques dizaines, quelques centaines, selon le rang, qui reçoivent des veden ou gages. Ce sont d'abord les membres de son hôtel, ses serviteurs, ses fiefés, ses parents et ses amis, mais il y a aussi ceux qu'il trouve au marché militaire régional, ou ceux qu'il embauche
en cours de route et sur place en Prusse. Tous vivaient dans ce monde du mercenariat, étaient imprégnés par sa vision. Quand un groupe de chevaliers anglais, dont nous ignorons malheureusement les noms, adressa en 1349 une supplique au pape pour obtenir des indulgences servant à réaliser leur projet de construction d'un château avec chapelle en Lituanie, ils demandaient que les indulgences soient étendues à ceux qui faisaient l'offrande des stipendia unios militis per unum mensem. Donc d'un mois de solde d'un chevalier. Cette condition s'adressait évidemment aux autres hommes d'armes, leur demandant une contribution substantielle, mais point démesurée. Il s'agissait d'une somme de 18 à 20 florins de Florence, parfois plus, rarement moins, en Prusse autant qu'ailleurs en France ou en Italie. Les tarifs se ressemblent, il n'y a pas de notable différence. La nature européenne du marché militaire l'interdisait. En Lituanie, pourtant, il y avait peu ou pas d'espoir de s'enrichir par du butin ou par la prise d'un prisonnier de marque. L'attraction principale de la guerre menée ailleurs faisait donc défaut. Même pour les gagés, il doit donc y avoir eu une plus-value qu'il faut chercher dans le mérite religieux et quelques rayons de gloire, de la gloire d'avoir combattu l'ennemi de la foi. Or, parmi ces embauchés, y eut-il des mercenaires professionnels, voire des routiers, des gens qui ne vivaient pas seulement de la solde, du butin gagné au service d'un prince, mais se nourrissaient de la guerre sans autre raison. Ce type de combattant se fait plus rare quand la guerre fleurit ailleurs. Il faut donc le chercher à l'époque de la paix conclue, des trêves, des négociations, après Crécy, après Poitiers, après le traité de Brétigny, et à l'époque des longues grèves de l'époque de Richard II. De plus, on a de meilleures chances de les rencontrer provenant des régions à forte spécialisation militaire, aux anciens Pays-Bas, en Basse-Rhénanie, de Juliers et de Cologne, de Rhénanie moyenne en Souabe, pour les Allemands, les travaux Gründlich de Karl Heinrich Schäfer et de Stefan Zeltz sont irremplaçables pour les connaître. De concert avec l'étude de William Caffaro, anglaise en substance, mais il ne concerne que l'une des régions de l'emploi, l'Italie. C'est vrai aussi des études françaises de Paul Durieux, de Léon Miro, Alain Jamme, ici présent. Seul Philippe Cotabine, qui nous honore de sa présence, a esquissé un tableau d'ensemble en ce qui concerne la France elle-même, suivi par Kenneth Fowler, dont nous regrettons l'absence, dans son gros ouvrage sur les grandes compagnies. Eux aussi, pourtant, ne pouvaient pas les traiter sans parler longuement de l'Italie et de l'Espagne. Malgré les travaux monumentaux consacrés aux armées françaises et anglaises, il reste néanmoins vrai que les études sur l'emploi des mercenaires étrangers des deux côtés au cours de la guerre de Cent Ans sont restées rares et partielles. Aucun travail d'envergure n'existe concernant l'embauche massive des mercenaires allemands désignant dans la langue du temps ceux provenant des pays de langue germanique, au sein de laquelle on faisait d'ailleurs bien la différence entre basse et haute Allemagne. En Italie, c'est curieux. Il s'agit d'un monde militaire international en perpétuel mouvement, d'un marché européen qui dépasse même les frontières du vieux continent, aussi bien du côté de l'Afrique septentrionale que de l'Asie mineure. Je ne peux que sonder un peu ce terrain, en grande partie encore vierge, en vous présentant quelques biographies d'individus pouvant passer pour des mercenaires, même pour des routiers, et qui ont été en Prusse. Une statistique n'est pas possible. Seul sort individuel permet de saisir la vie vécue. D'abord, deux Aquitains. L'un Saint-Angeais, l'autre Poitevin. L'un presque inconnu, l'autre étudié déjà par Philippe Contamine.
En l'hiver 1368-69, Jean de Blois, de la maison de Châtillon, seigneur de Gouda et Schronhoven en Hollande, grand seigneur, accomplit son deuxième voyage de Prusse. Son receveur, doté d'un véritable instinct d'historien, a noté non seulement les noms et les gages de l'entourage militaire à sa solde, mais aussi ceux de ses invités à Königsberg, qui l'ont aidé à passer la longue attente avant le départ de la Rèze en Lituanie. Or, à la fin de sa liste des invités de janvier-mars 69, on lit les noms suivants. Je traduis du néerlandais. Messire Archambault de Grailly, lui quatrième de chevalier et écuyer de Gascogne. Messire Jean de Blaisy. Messire Foucault d'Archiac. Messire Perceval de Coulogne. Messire Testard d'Oncourt. Et d'autres chevaliers écuyers qu'il, le receveur, ne savait pas nommer. À la cité rhénane de Cologne, le 29 novembre 68 déjà, Messire Archambault de Gascogne, lui deuxième de chevalier et autre de sa compagnie, furent les invités de Jean de Blois. Ils le seront pour la dernière fois le 8 février. La Rèze d'hiver ayant été décommandée, ils sont rentrés sans attendre avec Jean de Blois le départ de la Rèze d'été. Je laisse de côté le bourguignon Jean de Blaisy, que nous avons pu connaître, je ne dis rien de Testard d'Oncourt, un noble du Cambrésis, dont je sais trop peu. Mais je vais vous présenter Foucault d'Archiac, avant de revenir à Perceval de Coulogne et à Archambault de Grailly. Foucault d'Archiac appartient à une famille baronniale du Saintonge. Il n'est pas l'aîné, ce fut son frère Aymar, mort en 1350 déjà, qui fit passer la seigneurie d'Archiac à son fils, nommé comme lui, mort vers 69. C'est alors seulement, et pour le peu de temps qu'il lui restait à vivre, jusqu'à 74 probablement au moins, que son oncle, notre Foucault, sera seigneur de la seigneurie qui a donné le nom à la lignée. En attendant, il s'appelait seigneur de Touvérac et probablement de Saint-Séverin. Il y a peu de mentions que je lui connaisse avant le traité de Brétigny de 1360, qui fut décisif pour lui, car le Saint-Ange passa alors sous la souveraineté anglaise du prince noir. Foucault restait cependant fidèle, et farouchement fidèle, au roi de France, et perdit par conséquent tous ses biens, un choix qui n'était d'ailleurs pas partagé par toute sa famille. La vie qu'il menait depuis est décrite à un endroit où on ne l'attend pas nécessairement, dans la prise d'Alexandrie de Guillaume de Machaut. En janvier-février 63, Pierre Ier de Lusignan, d'origine Poitouville, roi de Chypre, appareilla une armée de 6 galères pour venir au secours de la garnison chypriote dans Gorygos. Alors vous voyez Gorygos là-haut, n'est-ce pas ? Vous pouvez lire ? Pas tellement. Bon. Alors, Gorygos, c'est là. Enfin, vous reconnaîtrez Chypre. Donc, la garnison chypriote de Gorygos sur la côte asiatique, dans ce qui restait du royaume chrétien d'Arménie. Dans la troisième galère se trouvaient bon nombre de Français, dont Messire Foucault d'Archiac, qui n'est pas long de Bergerac, dont longuement je suis têu, était là et fut élu, de tous à porter la bannière de Notre-Dame, toute entière. Et certes, il est vrai français. Je le puis dire qu'en souhait, volte d'Iguerpir toute sa terre qu'être homme du roi d'Angleterre. D'Iguer, hein, n'est-ce pas ? Tout sauf être un sujet anglais. N'a sans fil... Fils, donc, le duc de Guienne, quand la duchée fut première sienne, deux fois en champ s'est combattue, sans être vaincue, n'abattue. Et en bataille, plus de 30, voire certes plus de 40, de grands prouesses a fait mainte, née est de l'évêché de Sainte.
Foucault d'Archiac avait donc répondu à l'appel de Pierre de Lusignan, qu'il avait peut-être rencontré à Avignon, nous verrons à quelques occasions, et guerroyait maintenant en Méditerranée orientale. Nous ne connaissons pas les nombreuses batailles auxquelles il prit part. À l'état actuel des recherches, nous disposons seulement d'une mention de service en Poitou en 1355 et d'une autre en Bourgogne début 62. Mais il n'y a aucune raison de douter de la véracité du récit de Machaut. Cependant, les deux champs clos et gages de bataille de Foucault d'Archiac que Guillaume de Machaut mentionne ont bien été enregistrés par les chroniqueurs français du temps, même quelques pièces d'archives en parlent. Ces événements se placent l'un en 1361, l'autre en 62. Le 1er juillet 61, en présence du roi Jean II, il rencontra au marché de Meaux, enfin vous connaissez Meaux, le marché, c'est la grosse fortification, entourée d'eau, enfin marché de Meaux, en bataille, en prise de volonté, un certain Mingo Maubert, aquitain comme lui. Au cours de la rencontre, celui-ci souffrait tellement de la chaleur torride qui régnait ce jour qu'il en mourut sur son cheval, avant même que Foucault d'Archiac n'ait pu l'achever, lui-même presque paralysé par une température impitoyable. Le roi lui achetait le cheval ainsi gagné au prix de 400 francs, ce qui est énorme, et ressemble donc davantage à une subvention qu'à un échange. Comme les adversaires étaient tous les deux légalement des sujets anglais, Édouard III prenait l'ombrage de ce qu'il considérait une atteinte à la souveraineté. Voilà la question qui fait surface. Souveraineté cédée, mais Jean II lui répond qu'il n'avait pas jugé le cas, mais seulement présidé un gage de bataille volontaire, comme tout détenteur de haute justice pouvait faire. Le deuxième eut lieu le 6 décembre 62 à Villeneuve-les-Avignon, de nouveau en présence du roi de France, qui attendait alors l'arrivée du roi de Chypre, qui, lui, faisait le tour d'Europe pour recruter des croisés. Son adversaire était à nouveau aquitain, cette fois-ci d'obédience anglaise à Magneux de Pommiers. On devine les raisons de ce combat sans les connaître. Alors Froissart écrit « Quand ils se furent combattus, bien et chevaleureusement assez ensemble, les rois de France fit traiter de la paix et les accorda. » Donc il n'eut pas de fin mortelle cette fois-ci. En juillet 67, au plus tard, Foucault est de retour en France, donnant quittance des deux derniers paiements de son cheval, gagné sur Mingo Maubert. Et Guillaume de Machaut, mort en 77, qui écrit peu après l'assassinat de Pierre de Chypre du 18 janvier 69, ne le mentionne point à l'occasion de l'Alexandrie conquise le 10 octobre 65 et abandonnée le 16, et il passe sous silence que notre homme apparaît en novembre-décembre 65 en Espagne, au service de Bertrand du Guesclin, qui avait mené la grande compagnie au-delà des Pyrénées, et se sert de Foucault pour rester en contact avec le roi Pierre IV d'Aragon. Machaut ne parle pas non plus de son voyage de Prusse au début de l'année 69. De ce voyage, il reste une autre trace dans le conte de voyage de Jean de Blois que celle déjà mentionnée. Le receveur y note que à la Saint-Jean, 24 juin 69, à Bruges, en Flandre, un commis de Jean de Blois payait au Paya à Claes van der Beurze, dans le change de Collard van Mark, 300 vieux écus, en tant que plège, en tant que caution, de Messire Foucault d'Archiac, dont Jean de Blois avait pourtant des lettres de non-préjudice qui parlent durement à la charge du dit Messire Foucault. L'hasard veut que le registre correspondant de Collard van Mark soit conservé. Cette transaction entre Prusse et Bruges par l'intermédiaire du plus gros hôtelier brugeois et deux marchands anciatiques d'Elbing y figure. Nous savons que Guy de Blois, le frère aîné de Jean, avait également plagié pour 300 écus, de sorte que Foucault d'Archiac devait au frère Blois la somme rondelette de 600 écus.
Malgré sa lettre de non-préjudice, fort contraignante, il ne paya pas. Il ne paya jamais. Les frères de Blois le poursuivirent en justice le 21 mars 70, par devant le prévôt de Paris. Il dut reconnaître sa dette et promettre de la rembourser jusqu'à la Saint-Jean prochaine, sinon tenir prison à Valenciennes en Hainaut jusqu'à l'extinction de la dette. Pour garantir, il obligea toutes ses possessions au royaume de France et à la duché de Guyenne et partout ailleurs. Il renonça à tout droit contradictoire, y compris au privilège de la croix, prise ou à prendre. Il paraît que la dette n'a jamais été payée, autrement cette lettre ne se trouverait pas là où elle est, dans la trésorerie des chartes des comptes des Hainauts, et elle serait au surplus cancellée, ce qu'elle n'est pas. En novembre 61, le gouverneur de Blois prit, en passant par Avignon, le chemin de la Gascogne pour réclamer les dettes de Foucault d'Archiac. Était-il déjà mort? À ce moment, non. Il était toujours en vie, car il fut présent le 21 octobre 1974 à Nicosie, quand la paix entre la République de Gênes et le nouveau roi de Chypre, Pierre II, fut scellée et jurée, et ceci non seulement en tant que témoin, c'est entre ses mains que les partis prêtèrent serment. Mais les frères de Blois n'étaient pas caution que pour Foucault d'Archiac. Leurs hommes pouvaient pourchasser d'autres débiteurs, par exemple ce testard d'Onnecourt, dont nous avons déjà fait connaissance en tant qu'invité de Jean de Blois en Prusse. Enfin, je dirais seulement qu'il y a d'autres débiteurs, dont Boussicot, Jean de Sampy, Jean de Saint-Tré, qui n'ont jamais acquitté leur dette envers leurs créanciers en Prusse. Voyons maintenant de plus près Perceval de Coulogne et puis Archambault de Grailly. Coulogne ou Coulouègne, le Poitevin, chevalier bachelier, n'est pas seulement présent à Gorigos en 63, autant que Foucault d'Archiac. Il est à Alexandrie, où il avait été longtemps prisonnier, dit Machaut, quand elle est conquise en 65. Et en 67, devant Tripoli, enfin vous voyez Tripoli sur la côte, Tripoli, et quand elle est assaillie. De fait, Perceval est un confident du roi de Chypre et son chambellan. Foucault d'Archiac n'y fait que des apparitions à ceux qui semblent. Perceval est en permanence aux côtés du roi ou en voyage envoyé par lui. Ainsi, en 68, au mois de juillet, il séjourne à Paris pour préparer le champ clos, ou plutôt l'empêcher, entre Florimond de l'Espard, lui aussi à Gorigos, Alexandrie, Gallipoli, Tripoli, et le roi Pierre de Lusignan. Il reçoit alors une subvention du duc de Bourgogne pour entrer auprès de son maître. Nous ne savons pas s'il a vraiment fait le voyage. Le 18 janvier, donc, Pierre de Lusignan est assassiné par une faction de barons chypriotes. Cependant, le 11 janvier et le 11 février, Perceval est attesté à Königsberg. Il rentre en Poitou, se met au service du parti anglais, le prince noir étant son seigneur naturel. Mais en 72, sous des conditions honorables, il change d'obédience et se rattacha au service du duc de Berry, nouveau comte de Poitou. Pendant une année, il fut même sénéchal de cette province. Il le suit en Flandre, est à son service encore en 90, en même temps chambellan de Charles VI. Il meurt octogénaire probablement à 1416. Pourquoi ce séjour en Chypre? Pourquoi le voyage de Prusse en l'hiver 68-69? La crise d'allégeance des seigneurs d'Aquitaine qui suivit la paix de Brétigny en 60 a dû avoir des conséquences, de sorte que les nobles de tendance française, même ceux qui ne quittaient pas le pays et subissaient pas la confiscation, choisirent l'exil volontaire, fort honorifique en plus, car dirigé contre l'infidèle. Mais pourquoi et quand ce chambellan du roi de Chypre a-t-il quitté son Poitou suite à la cession de ce pays en 60? Et pourquoi prend-il en 68-69 le chemin de la Prusse? Cette présence rappelle celle de Philippe de Mézières qui, lui, apparemment en 64, suite au deuxième voyage européen de son roi, est venu en Prusse. Selon toute vraisemblance pour gagner le secours de l'ordre teutonique. Une telle requête me paraît la seule explication possible de ce voyage
au milieu de grandes turbulences à Famagouste. Un autre partisan du roi de France subissait également les conséquences néfastes de son choix de 60. Le poitevin Guy II de Chevigny vit sa ville de Brosse détruite par les Anglais. Malgré un dédommagement par Charles V, il guerroya dès lors en France sous du Guesclin, puis en Italie, pour finalement faire un voyage de Prusse qui commença à Naples en 1377. Et Archambault de Grailly, cet oncle de Jean de Grailly, le fameux capitaine de Buch, qui lui a vu la Prusse en compagnie de Gaston Phébus en 57-58, avait été fait prisonnier avec son neveu à la bataille de Cocherel en 64, et il se racheta, mais nous ne savons pas à quel moment. Un extrait de la Chambre des Comptes de Paris, reproduit par le père Anselme, dit qu'il fut amené prisonnier à Paris avec plusieurs Gascons et Anglais le 11 décembre 72. Soit donc son expédition prussienne fut une absence volontaire à l'époque où il fallait choisir son camp, soit qu'elle fut autorisée aux prisonniers pour la bonne cause du combat contre les Sarrasins du Nord, fort populaire en Angleterre. En somme, seul Foucault d'Archiac semble correspondre à l'image parfaite du mercenaire proche du routier. Mais, cadet de baron, il avait de bonnes causes de vouloir gagner sa vie en vendant son bras. Venait-il à son propre compte en Prusse, ou fut-il au service de quelqu'un, d'autre, d'Archambault de Grailly par exemple? La liste du receveur ne le dit pas, et suggère plutôt que ce ne fut pas le cas, car il attribue à celui-ci, donc à Grailly, trois autres gentilshommes, chevaliers écuyers, sans les nommer, puis nomme les quatre autres chevaliers sur lesquels nous nous sommes penchés. Même chez Foucault, il pourrait avoir eu une période pendant laquelle il pouvait se permettre la fierté de payer pour lui-même. Si un mercenaire peut se dévoiler homme d'honneur, des hommes d'honneur se révèlent parfois mercenaires professionnels. Prenons le cas de Rutger Reitz, messire Roger de Cologne, ainsi que l'appelle Jean Froissart, car il appartient aux patriciens nobles de la grande ville rhénane. Le héros Gueldre lui a consacré l'une de ses Ehrenreden, enfin ses discours d'honneur, qui nous apprend entre autres que cet homme a passé 32 hivers en Prusse et 3 étés en Livonie. Comment cela a pu se faire? Car l'on ne peut sans cesse dépenser sans aussi gagner. Gueldre ne dit pas qu'il aurait été à ses propres frais. Heureusement, 5 comptes de voyage différents le mentionnent et nous font comprendre comment il a pu atteindre ce chiffre fabuleux. Roger se mettait au service des grands seigneurs en route et leur rendait d'éminents services, car il connaissait les chemins, les endroits et tout le monde. Ce faisant, il discutait âprement son salaire et réussissait parfois à l'augmenter de moitié au cours du voyage. Mais ceci est seulement l'avers de son fonds de commerce. Il y a un revers. La saison hivernale en Prusse terminée, il se fit engager à l'ouest, au service des princes des Pays-Bas, puis du côté français contre les Anglais. Ainsi, il s'assurait une continuelle rentrée de revenus, malgré l'issue des batailles de Crécy et de Poitiers, auxquelles il prit part et fut fait prisonnier. Il chercha et trouva de l'emploi en Italie aussi, si ce Roger de Cologna, qui sert en 1353 en Toscane, c'est lui. Des finances, Gueldre n'a dit mot. Il mentionne pourtant qu'il fut par 2 fois en Terre Sainte, l'une aux frais du comte de Hollande Hainaut, l'autre au sien propre. En 1369, il trouve à la mort près de Calais, après 43 années passées sous les armes. Ce fut un mercenaire pur sang, dont Gueldre tait d'ailleurs la carrière après Poitiers, ce qui fait supposer qu'il adhérait au moins pour un temps aux grandes compagnies. En tout cas, cette vie était considérée tellement honorable que le héros chanta sa louange
et que, selon Froissart, il était friche homme, doux, courtois durement et bon chevalier en tous états. La petite noblesse de la Rhénanie et de Souabe, et particulièrement la bourgeoisie patricienne de Cologne, constituait à cette époque un réservoir inépuisable de recrutement militaire. Les études sur l'Italie des mercenaires le prouvent. Font découvrir, par exemple, ce Henricus Spiegel Milese, donc c'est un Ritter Heinrich Spiegel, qui en septembre-décembre 1966 tient pour 10 florins par mois à Gallipoli, garnison pour le comte de Savoie. Mais l'étude du côté franco-anglais reste à faire. Je vous donne seulement deux autres exemples de mercenaires qui se distinguent des autres par le fait qu'on les appelait neveux de grands maîtres de Prusse. Il y a d'abord ce Véry ou Uri, l'Allemand, qui figure en 1361 dans l'entourage du terrible Séguin de Badefol. Puis en 1662, à l'assaut du roi de Navarre en France, en tant que l'un des capitaines de la Grande Compagnie. Mais Froissart et d'autres sources le signalent depuis 1377 au service de Charles VI et du duc de Bourgogne et Philippe le Hardi, dont il fut chambellan. En avril 1683, il était présent à la remise solennelle d'une particule de la Sainte Croix donnée par le roi dans la Sainte-Chapelle de Paris au grand procureur de l'ordre teutonique. Ce n'était donc plus un guerrier au passé douteux, mais une personne honorable et honorée. Il participe à l'expédition écossaise de 1685 et y meurt au siège du château de Wark upon Tweed. Sa compagnie fut alors reprise par Rutger Reitz, le jeune, le fils. Fils de Rutger, dont il a été question. Son véritable nom était Winrich von Fichenich. Winrich von Fichenich. Enfin, même pour vous, vous ne pouvez pas le prononcer, n'est-ce pas? Il portait le même prénom que le grand maître de l'ordre teutonique du temps, le Rhénan Winrich von Kniprode. Le degré de parenté n'est pas établi, mais ne fait pas de doute. Fichenich apparaît d'ailleurs d'abord en Prusse, en 1360. Les familles Reitz et Fichenich étaient également apparentées, ce qui augmente la probabilité que Rutger l'aîné s'était également engagé dans la Grande Compagnie après 1660. D'autres Fichenich, Hermann Gerhardt, sont attestés à Florence, Pise, Bologne, entre 1350 et 1663-64. Plus tard, en 1408, prend part à la bataille d'Autée, gagnée par le duc de Bourgogne sur les Liégeois, le neveu du maître de Prusse. Le héros qui a consacré un long poème à cet événement, enfin étudié par Monseigneur, ajoute « Ce jour, il fut fait chevalier ». Le grand maître du moment était Ulrich von Jungingen, depuis 1407, successeur de son frère Konrad von Jungingen, provenant d'une famille de basse noblesse souabe. Ce fut donc un membre de cette famille ou de famille alliée qui servait le duc de Bourgogne tout autant que Rutger Reitz, le fils. Des Jungingen, Eberhard et Hermann avaient d'ailleurs été soudoyés en Italie, à Bologne, en 1351. Il y a lieu de croire que les contacts noués à l'occasion du voyage de Prusse avaient ouvert la voie du service en l'armée bourguignonne, puis à la cour, en établissant un mince courant en sens inverse. Il existe d'autres exemples de ce courant à partir de la deuxième décennie du XVe siècle, cette fois-ci de la noblesse prussienne elle-même, dont certains représentants participèrent à la défense de Ceuta, au Maroc, conquis par les Portugais en 1415. Les grands capitaines des grandes compagnies ne sont pas assistés en Prusse, ni Bertrand du Guesclin, Arnaud de Servol, archiprêtre parmi les Français, Robert Knowle, entre les Anglais, Albert Sterz, le comte de Landau, le duc d'Urslingen parmi les Allemands. Il y a cependant une chance pour deux des plus connus parmi ces condottieri du XIVe siècle, Hugues. Hugues Calverley et John Hawkwood.
tandis que l'armorial Geldrum ne contient qu'un seul bref passage, entièrement brabançon, qui est sûrement en relation avec le voyage de Prusse, parce que les armoiries du grand maître sont au milieu. Toute ou presque toute la seconde partie de l'armorial Bellanville est composée de rôles occasionnels reflétant des groupes entiers ayant participé au voyage de Prusse. Il n'est cependant pas facile de dire quand un rôle commence et quand il se termine. Et pour chacun des 11 rôles, il faut établir qu'il s'agit bien d'un voyage de Prusse, puis de le dater le plus étroitement possible, afin de se demander quel groupe et quelle occasion il représente. Or, dans le premier rôle occasion, enfin, maintenant, ça y est déjà, figure l'écu et le nom de Hawkwood. Voilà, ici. Herr Jan Hawkwood. D'argent, chevron de sable chargé de 3 coquilles du champ. Et aussi l'écu, sans nom cette fois, de Sir Hugh Calverley. Là. Vous m'avouez, hein? C'est bien Calverley. Bon. Tous les deux sont morts en 1994, mais les travaux consacrés à l'un à l'autre ont jusqu'ici ignoré ce fait. S'agit-il vraiment d'un voyage de Prusse? On peut en douter sérieusement. Il y a 48 écus, enfin c'est la première page, il y a un deuxième que nous verrons par après, 48 écus dont la forte majorité est écossaise, une minorité, 8, anglaise, à une exception près à laquelle nous reviendrons. Or, la composition des autres rôles est beaucoup plus composite, montre des armoiries de marches fortes diverses, même polonaises et prusso-lituaniennes, et elle est plus souvent marquée au début et à la fin par un signe reconnaissable, bannière ou héros d'armes. Alors, allons voir si vous continuez. Voilà, par exemple, ici, c'est visiblement... Bon, voilà, de début, il tient ici la bannière Saint-Georges. En Prusse, il y a deux bannières pour les invités, Notre-Dame et Saint-Georges. Et ici, c'est un baron de Juillet qui tient la bannière, donc qui apparemment est le chef. Et là, vous voyez des armoiries polonaises, hein, sans aucun doute. Hein. Bon. Bohémien, enfin, un peu partout. Et puis, après. Oui, on continue. Ici, vous avez la bannière Notre-Dame, n'est-ce pas, par un bâtard de Brabant. Et, enfin, là, on vient des Pays-Bas, un peu partout. Enfin, bref, Namurois, etc. Et le troisième qui est fort intéressant parce qu'il y a ici un héros d'armes avec son arme, un javelot, et qui porte le tabard de Gelre et qui prononce un mot. Faut que je le retrouve quelque part. Bon, bref, Svadeo vos bene agere, enfin quelque chose de ce genre. Donc, c'est en bas. Voilà. Soyez vous juste agere. Donc, c'est transcrit. Donc, il met de l'empoigne, enfin. Allez-y, les gars, hein. Un peu ça. Le groupe en question, dans notre groupe, s'il y a groupe, a nécessairement dû se réunir, à ce qui semble, avant. L'octobre 361, date de la mort de deux chevaliers bien connus qui y figurent, enfin c'est le prochain peut-être. Oui, effectivement. Sir Reginald Cobham et William Fitzwarren. Tous les deux sont morts de la peste en 61. D'autre part, William Fitzwarren semble avoir quitté les armes, on ne le voit plus cité dans les rôles, après Crécy, après 1946.
D'autre part, ce groupe, s'il y a groupe, doit s'être réuni après 1356, car ce n'est à partir de cette date, au plus tôt, que Rookwood pouvait prendre le titre de Herr, Sir, Chevalier, qui lui est donné expressément. D'autre part, depuis mai 61, Rookwood est définitivement engagé en Italie et ne le quitte plus. Donc, il est en Italie et nulle part ailleurs. Enfin, si un groupe presque exclusivement anglais-écossais est à la rigueur imaginable en Prusse neutre, il ne l'est pas en terre britannique. Sauf s'il y avait eu auparavant conclusion d'une paix ou une trêve, d'une part entre France et Angleterre, ce qui fut fait le 23 mars 57 à Bordeaux, et surtout entre Angleterre et Écosse, d'autre, le traité de Berwick fut scellé le 3 octobre de cette même année. Reste à trouver une réunion, par exemple, un tournoi anglo-écossais pouvant correspondre à ce que nous cherchons. En 1358, Édouard III, victorieux, organisa des joutes nocturnes à Bristol en janvier, à Londres au Smithfield le 4 mars et enfin à Windsor le jour de Saint-Georges, le 23 avril, sous forme d'une grande table ronde proclamée par plusieurs héros d'armes en France, Allemagne, Brabant, Flandre et en Écosse. C'est surtout au courant de cette fête particulièrement somptueuse que les Anglais et les Écossais ont pu se rencontrer, car la reine d'Écosse, sœur d'Édouard, était venue en grand état pour négocier une véritable paix. Il est expressément dit que ces deux nations participèrent au combat, ainsi que les Français prisonniers depuis la défaite de Poitiers. Mais il reste que les noms écossais et anglais sont entremêlés. Entremêlés ne présentent donc pas deux parties bien distinctes. Cela affaiblit singulièrement la thèse d'un tournoi à un moment donné. Enfin, il y a présence d'un seul écu qui est ni anglais ni écossais, celui de Conrad von Craig. Les Craig sont une... Enfin, il faut voir la figure maintenant. Oh non, on reste là, il est là. Il est là. Oui, il est là. Ici, Krieger, vous voyez. Et qui sont très simples. Rouge et blanc. Rouge et blanc, enfin. Les Krieger sont une famille importante de la Carinthie, sénéchaux héréditaires de ce duché, également possessionnés en Bohême et en Moravie. Trois porteurs du prénom Conrad se sont succédés au XIVe-XVe siècle, le nôtre, et sans aucun doute... Conrad II, attesté de 1355 à sa mort en 98-19. Comme son père, il fut lieutenant général du duc d'Autriche en Carinthie, mais aussi en Cardiole. Enfin, il était en plus souverain maître d'hôtel, magister courrier et conseiller du roi Venceslas de Bohême. C'est en son nom qu'il a négocié avec d'autres le mariage de Richard II avec Anne de Bohême, sœur de Venceslas. Il accompagne la fiancée quand elle fait son voyage en Angleterre, séjourne donc en 81 et 82 par plusieurs fois en ce pays. À ce chevalier, Richard II, ou plutôt son conseil, donne le 1er mai 81 une rente de avis de 250 marks sterling et à son fils Loupold, écuyer de 50. Rentré, Venceslas l'honore par le don d'une importante seigneurie au Moravie. Cette présence en Angleterre pourrait expliquer son apparition dans notre rôle, mais contredit la datation de 56-61. Or, en 77, il avait accompagné Albert II, duc d'Autriche en Prusse, avait été élu commandant des participants étrangers et siégé à la première place à la table d'honneur. Ceci est d'autant plus remarquable qu'un tel honneur n'est accordé par les héros d'armes si le candidat est particulièrement connu pour ses hauts faits chevaleresques. Donc, entre autres, pour des voyages de Prusse répétés. Y aurait-il déjà été auparavant? Herr Krieger, Österreich, apparaît également dans un autre rôle de Bellerville, cette fois-ci indubitablement un rôle prussien. Enfin, vous allez faire... Enfin, laissons, enfin, vous me croyez. Dans lequel figure... Enfin, il faut quand même que ce soit revu. Il est là.
Il est là, là-haut. Il est là. Dans lequel figure, c'est pas visible pour l'instant, d'autres célébrités chevaleresques que, ainsi, Hutin de Vermeil, Gadifer de la Salle, un ancien routier, Rutger Reitz, Heinrich von Hoefte. Bon, peut-être on continue là. Oui. Ah voilà. Voilà, Gadifer de la Salle. Oula. Il est là, au milieu, là, en milieu gauche. Ça ne fonctionne plus ? Bon, ça ne fonctionne plus. Allons voir. On voit Gadifer est là. Ici, là ? Oui. Hutin de Vermeil est là. Et qui encore ? Allons voir. Rutger Reitz est là. Là ? Oui. Et celui-là, c'est Heinrich von Hoefte qui a également été chanté par Gellrum. Et puis encore là, en bas à gauche, c'est Daniel van der Merwede et le capitaine de Buch. Hein. Où est-il là ? Chez lui ou... Non, où est le capitaine de Buch ? Il doit être là quelque part. Bref, Reitz est mort en 69, le capitaine fut prisonnier du roi de France en 72, à sa mort en 76, ce qui date le document. Le seul voyage de Prusse du capitaine connu. Voilà, c'était une autre image du même rôle, il est là, en effet, il est là. Le seul voyage de Prusse connu du capital, 57-58, mais Gaston Phoebus n'apparaît pas dans ce rôle. C'est un peu curieux. Cependant, Conrad von Craig n'a pas été seulement en Prusse, il a guerroyé longuement en Italie. En 1355, il est déjà à Milan. Les ducs d'Autriche s'intéressent à lui puisqu'il a cette expérience. Le duc Léopold prend en 74-76 à son service pour des entreprises vénitiennes à la tête d'un contingent important de 36 glaives à cheval et 25. Vous voyez là, on s'approche. Parfait. À pied. Si la mission anglaise lui fut confiée parce qu'un séjour antérieur dans l'île britannique l'avait recommandé. Actuellement, il n'est pas possible de dater ce rôle et la mobilité des personnes qu'il contient est telle qu'elles peuvent s'être rencontrées en Prusse, en Angleterre, en Italie, même, mais avant 61 seulement. Je ne vois pas qu'il pourrait être autre chose qu'un rôle occasionnel. Mais la clé n'est pas encore trouvée qui permet de résoudre l'énigme de sa composition. « Hawkwood never went on pilgrimage », a écrit William Cotherell. Et cela semble se confirmer également en ce qui concerne la Prusse. Mais il a observé que d'autres capitaines étrangers en Italie partirent en croisade, dont Sir Walter Leslie, qui fut devant Alexandrie et qui ouvre notre rôle numéro 1, en première position, et figure également dans un autre rôle certainement prussien. John Bircher, Humphrey Bowen, Enguerrand de Coucy, tous voyageurs en Prusse et autres lieux recommandés, tandis que Robert Knowles et Hugh Calverley, combattants de la bataille de Trente, prirent le chemin de la Terre Sainte. En somme, le premier rôle contenu dans Bellerville enrichit pour une date encore inconnue la biographie des deux capitaines, mais ne les mène pas nécessairement aux rives de la Baltique. Terminons. Même le routier adhère à l'idéologie chevaleresque, veut augmenter son honneur, veut combattre l'infidèle, et même soldé, il participe à la renommée que confère une telle activité. Rochester Bridge est là pour rappeler la bienfaisance de l'ancien routier que fut Robert Knowles. En tout cas, la participation au voyage de Prusse ainsi qu'aux autres activités de croisade pouvait servir à rétablir une réputation ébréchée. En somme, il y a toujours des individus et des situations qui font que les actions gratuites sont entreprises pour l'honneur seul. Mais il ne faut pas oublier que le véritable cœur de la vie militaire, le butin et les rançons, faisait défaut en Prusse, à moins de degrés en Espagne ou en Proche-Orient, certainement pas à Alexandrie et à Tunis. L'enquête très dense menée par Bertrand Schnerp sur les Bournonvilles, lignée militaire en France septentrionale, a montré l'absence complète d'un tel dévouement. Mais en règle générale, on ne peut
séparer services réguliers, services freelance et outre-mer. En dehors de son aspect régional, l'intérêt principal du voyage de Prusse, véritable observatoire de la vie de la noblesse européenne au XIVe siècle, consiste justement en cette démonstration que le mercenaire le croisé, le héros chanté par les héros et le cruel homme de guerre accusé par les clercs sont inséparables. Mieux, ce sont les mêmes personnes, parfois l'un, parfois l'autre, mais en vérité identiques. La description de Chaucer que Chaucer donne du chevalier est incomplète, car le service régulier en France, dans la guerre du roi, en est complètement absent. Cela prouve qu'il s'agit du chevalier parfait qui ne combat que contre l'infidèle. Mais il serait naïf de croire qu'il l'aurait nécessairement fait à ses propres frais.